Bonjour, nous sommes jeudi, il est midi 10, j'attends Eric. Donc ce matin, je n'ai pas vlogué, j'étais en rendez-vous toute la matinée. Ce qui va se passer, c'est que je vais emmener Eric au lycée. Moi, j'en profite, je vais aller envoyer, je vais à la poste, envoyer les dernières box, si vous avez suivi, Jack, les gâteaux, tout ça, tout ça. Et après, je vais enfin faire mes petites courses. Voilà. Hier, en fin de journée, au moment d'uploader ma vidéo, dernière vidéo d'ailleurs, le stress, bon après c'est de ma faute. Au moment de l'export, il m'a dit qu'il n'y avait plus de place. Et c'est vrai, dans mon ordi, il y a trop de choses. J'ai pas pris le temps d'effacer, résultat, voilà. J'ai appelé Eric, en panique, je lui ai dit, est-ce que tu peux m'aider? Il commence à me faire le moral, voilà, mais enfin, je t'avais dit de pas mettre sur ça, faut pas être sur le C, faut mettre sur le D, nanana. Et il commence à me basculer tous mes fichiers. L'export n'était pas fait hier. À d'autres endroits, ça semble fonctionner, je fais le nouvel export et là, le peu où ma vidéo est restée en ligne, peut-être 10 minutes, le temps que tout le monde me dise « Ma vidéo, en fait, il y a 15 minutes de noir. » Donc j'ai tout effacé. Je vais voir Eric, je lui fais « Oui, qu'est-ce que t'as foutu ?» Tout ça, tout ça. Et comme Eric est un pro au niveau de l'informatique, eh ben il a réussi. Bon, ça a pris plus de temps que prévu, il y a eu 2 heures de retard, mais enfin ça m'a mis un stress. Par contre, au niveau de mes cheveux, est-ce qu'on en parle des mes racines? J'avais dit que j'attendrais pour un peu les laisser se reposer, mais je crois pas parce qu'en fait, elle m'avait dit « Faut pas trop attendre quand tu fais des mèches et tout, les racines, sinon après, quand tu tires les mèches, ça se voit, ça fait pas très beau. » Je vais être obligée de prendre rendez-vous. On est vraiment sur l'heure idéale, là. 13h30. Je me suis arrêtée, j'appelle ça la foire à tout. Et je tombe là-dessus. Je cherche ça, les fameuses tout doux mais aimantées sur le frigo. C'est hyper pratique, en plus elle est mignonne. Hein. J'ai vraiment l'impression d'avoir privatisé le supermarché. Là. Ah mais non, ici ils font pas la litière agglomérante. Faudrait que j'aille chez eux au plus. Ah quoi que ça, attends, bicarbonate contient. Non. On est d'accord pour ceux qui ont des chats que c'est quand même la meilleure, hein, l'agglomérante. 1,35€ la grenade, regardez. C'est pas la même chose. Quand je vous ai montré dans le magasin bio, elle était belle, elle était à 5€ quelque. Ces courses m'ont épuisée en fait. Non. Et bah au moment de payer, ça n'a pas fonctionné. Bah bien sûr. C'est de ma faute. Depuis 2-3 mois, vous savez, j'ai changé de transporteur. Je suis avec la poste, je parle des box. Et maintenant, je paye avec ma carte. Avant, c'était des virements automatiques. Donc normalement, j'ai compte pro et tout ça. J'ai toujours un compte pro. Mais maintenant, je paye la poste sur mon compte perso. Ce sont des gros paiements. Plus de 1 000€, parfois 2 000€. Et forcément, eh ben, j'ai été au-dessus du plafond sur la semaine. Le pompon, c'est que j'ai dit, bah, c'est pas grave. Je vais aller au distributeur de Leclerc. Il m'a dit, bah non, depuis ce matin, il fonctionne plus. C'est vide, il n'y a plus de sous. Donc faut aller en ville. J'ai des surgelés, j'ai tout ça. J'ai chaud. Je pars vénère jusqu'à ma voiture et là ça fait tilt. Je suis attends, Eric il t'a donné sa carte il y a quelques jours. Banco tante. Les enseignants sont cool. Et je vais vous montrer ce petit retour de course là. Autant j'en fais pas souvent, mais autant là j'ai envie de vous dire ça me chauffe. Regardez mon beau balai Vileda, microfibre et coton télescopique. Ça va donner. J'ai même pris un deuxième différent. Je me suis pris au rayon homme un sweat Tokyo Landry. Il est gris anthracite. Hein. Il n'est pas noir, il est. Ouais. Le truc qui m'intrigue un peu, c'est ça. L'encolure. Il ne faudrait pas que ça me serve trop le kiki. J'ai pris taille M. J'aime bien quand ça se porte un petit peu loose. J'essaie une fois que je vous ai tout montré. Il faut que j'appelle ma maman qui a un problème d'imprimante. Elle m'a dit tu m'appelles quand tu as fini tes courses, que je puisse passer chez toi pour imprimer mon document. Pas que j'oublie. Avec tout ça, comme j'avais des surgelés, que ça a pris un petit peu de temps, j'ai pas pris le risque d'aller à la poste. Donc soit j'ai le courage d'y aller après, soit ce sera demain. Par contre, les box sont dans la manière, donc ça, il faut pas les laisser. Ah, il s'excite. Je crois qu'il est vénère. T'es vénère? Je crois. Là, je vois le gingembre. Je savais bien qu'il y avait d'autres trucs qui avaient été chiants pendant ces courses. Elle m'a dit, il faut les peser. Il me semblait que je les pesais, pardon. Et c'est au moment où tu speedes et que tu traverses tout le magasin pour peser parce que tu sais que t'as tout qu'attend là-bas, que tu rencontres des gens qui veulent parler avec toi. En fait, j'ai pas le temps, tout ça, tu vois, c'est un peu gênant. T'arrives devant la pesée, alors qu'il n'y avait pas un char depuis le début, et là, c'est blindé, tu fais la queue. Attends, je pose ça parce que je sens que je vais faire des bêtises. J'essaie de faire un positionnement un peu cohérent. Non, Jack, là, ça va être pénible. Tu sais, ta mère, là, elle a pas trop de patience. Alors, dans les bouillis-bouillis, là, je vous montrais. Arrête. Bon, ça, je vous l'ai déjà montré, je vais l'installer. Très pratique. Il y a plein de motifs différents. Je me suis pris. J'ai pas trouvé. Moi, je voulais vraiment les pinces métalliques pour, vous savez, par exemple, quand je mange ma soupe, que je la finis pas chez mon frigo. C'est un peu comme des barrettes. Comme ça, hop, tu clipses. Bon, on verra ce que ça tient. C'est mieux que de rien avoir. J'ai pris ces deux petites choses. Je me suis pris. Et ça, non. Par contre, il risque de pleurer.
va être compliqué. Ah, voilà. Donc j'ai pris les piles parce que vous avez vu mon réel, vous avez vu mon dernier vlog, la petite lampe Ikea. Je suis dégoûtée, mais on va faire le test ensemble en espérant que ce soit mes piles qui étaient vétustes et non un problème dans la lampe. Donc après, on essaiera. Ça, c'est au rayon beauté. Je les trouve trop mignonnes. Regardez ces barrettes. Il y a même les élastiques un petit peu comme ça. Il y avait d'autres motifs un peu fauves aussi. Elles sont chouettes. Hein, ça, c'est la fameuse que je vous disais, deuxième. Celle-ci, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Nettoyage rapide et facile. 99% des bactéries. Voilà. Donc ça, ça va être cool. Je me suis pris un shampoing sec. J'ai pris cette marque, mais c'était pas celui-ci. Ça, c'est pour la maison, pour les chats, les animaux, parce qu'il n'y a pas d'agent toxique. Ça, ça sera pour toutes les surfaces, notamment cuisine. J'ai pris le même, mais pour les sols. Pareil, sans résidus nocifs. J'ouvre, hein, parce que ça va être pénible pour vous d'entendre miauler. T'as intérêt de te comporter correctement. C'est à base de bicarbonate, c'est pour aussi laver les éviers, la salle de bain, les toilettes, les machins, les trucs. Ça. Je n'en avais plus également. C'est frais, c'est très plaisant. Mon eau micellaire biphase. Des cotons, des cotons. Je me suis rendu compte en lisant vos commentaires que vous étiez pas mal également à souffrir de migraines ophtalmiques. Comme je vous disais, moi j'en fais très rarement. La dernière fois c'était il y a 6 ans et j'en ai fait un il y a 2-3 jours. Et ça m'a déclenché, ce que j'ai ça par contre très souvent, c'est par crise, mon nerf trijumeau qui s'enflamme. Normalement tu dois prendre des anti-inflammatoires, moi j'y ai pas droit avec ma hernie et tout ça. Donc je prends un anti-inflammatoire, ça c'est vraiment un tips pour vous, on sait jamais si vous êtes dans mon cas. Si vous avez ces douleurs comme ça au fond de l'œil, dans le nerf trijumeau, je prends des petites rondelles, enfin du gingembre frais, et je le mets notamment dans mes infusions, tu peux le mettre dans les plats aussi. J'ai pris des bananes, des pommes, avocat. Je suis repartie dans les soupes. J'avoue que celle-ci, petit pois légumes verts, elle est pas mal. Moi, bon, elle est très bien notée. Et j'en ai pris bah, deux comme ça. J'ai très envie de me faire un petit boudin avec des pommes et des patates. C'était chiant. C'est à ton père. Tu vois pourquoi? Plaisir d'offrir. Ça, c'est pour Eric. Il m'a demandé de lui reprendre pas mal de temps. Jack, mais il pousse en plus. Ça va pas, non? Calme-toi. Calme-toi. Tu veux pas une camomille? Non. Donc je disais des Zipro avec des goûts un peu différents, on a du citron, nous avons du stracciatella, nous avons du beurre de cacahuète, c'est pas vrai qu'il y retourne, et de la vanille. Ah maintenant c'est mes muffins. Non bah écoute, hein, y a plus, c'est fini, allez, terminé, bonsoir. Non, j'ai repris mon beurre de Barat, j'ai beaucoup de mal à résister, hein, exceptionnel. Alors comme je fais énormément de bordereaux et que j'use pas mal mes crayons, je m'en suis pris comme ça, je les aime bien, le gel classique, noir. Je passe un peu du coq à l'âne. Démater, myrtille sauvage. Ouais, 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 ouais. Et mesquir. Pour aller dans mesquir, je me suis pris, tiens, je vais peut-être m'en prendre là au goûter, des baies de goji. Alors ça, de temps en temps, si je prends, je les aime bien, celle-ci, linguino. Ah, c'est jambon fumé, d'accord. Courgettes grillées, crème et basilic. Attends, je crois qu'il arrive. J'arrive. Par contre, il n'y a pas de bisous câlins, il est puni. Hein. Moi, je préviens tout de suite. Il n'a pas mangé quelque chose. Ah, deux choses, les petits déj. Il est puni. Ouais, ouais. Je te connais, toi, tu vas quand même le caresser, tout ça. Ah oui. Qui c'est qui est déjà? Bon, ma maman vient de partir et là, on va tester hein, la lampe. J'espère vraiment que ça va fonctionner. Je l'ai mise ici parce que j'ai fait une petite photo, là. Bon, bah écoutez, regardez. Ça ne fonctionne pas. Parce que là les piles sont neuves, ou alors ça sous-entendrait que j'ai mal clipsé et que la connexion ne se fait pas. Alors que je redémonte tout. Oh, je suis deg. Alors là c'est vraiment bizarre. J'ai tout démonté, enfin non, parce qu'en fait j'ai pas réussi, il y a cette partie, je voulais vérifier que c'était bien clipsé. Et après coup je me dis attends, on doit vérifier parce que regardez, on peut le faire avec le port USB. Et bah figurez-vous que ça fonctionne très très bien. Je comprends pas vu que les piles sont neuves, c'est très étrange. Bon, maintenant j'ai un nouveau problème. C'est que, enfin, ça fonctionne maintenant. J'ai dû trifouiller, donc c'est bien, ça en continue. Mais j'aurais dû remettre ça avant de clipser. Ah bah super, ah bah voilà. Le problème, c'est que cette partie-là, vous voyez, il faut que je la déclipse pour pouvoir passer ça, sinon ça ne tiendra pas. Mais c'est tellement fragile, j'y arrive pas. Bon, déjà, ça fonctionne, on continue. Ça devait être un faux contact.
Il est 5h20, je vais chercher Eric à 5h15. J'ai le temps là, je vais essayer vite fait le sweat quand même. Jack est toujours autant excité. Déjà que j'étais coiffée un peu aléatoirement, ça va pas aider. Ça couvre bien en fait. Il me plaît bien ce sweat, vraiment. Il y a des poches comme ça, donc vous savez, on peut les mettre comme ça de chaque côté. Vous voyez là, c'est vraiment juste en dessous des fesses. Je valide complètement. Bon, les manches sont un chouille trop long, mais c'est pas gênant. Hop, on fait comme ça, puis c'est très bien. Je suis sur le parking des profs. J'attends Eric, il devrait plus tarder là. Oh, c'est fou ça. Je devais vous dire un truc. Et ben non, on est perdu. J'aurais presque pu mettre du shampoing sec. Je limite vraiment mes shampoings le plus possible. Bon, c'est 2 fois par semaine, mais est-ce que plus tu les laves, plus ça les abîme, plus ça les graisse. Et donc c'est un cercle vicieux tout ça. Merci, c'est gentil d'être venu. C'est normal. Bon, moi je me suis posée là, je me suis fait mes petites linguines courgettes grillées. Est-ce que vous apercevez quelque chose ici? J'ai réussi à la réparer. C'est vraiment pour me rendre compte. Hein. Je voulais mettre un petit point de lumière, donc je trouve que c'est sympa. Voilà. Après le rose là, en vidéo, il ressort pas des masses. Et pour aller avec, je me suis fait griller un petit muffin complet. Avec du chavreau, évidemment. J'ai regardé la finale de The Bachelor avant de me faire spoiler, vu qu'ils ont anticipé les derniers épisodes. Voilà. Vendredi matin, il m'a saoulé ce matin, il m'a saoulé. Il m'a réveillé à 6h en miaulant, on ne sait pas pourquoi. Il continue. Oh, je suis éclatée. Regardez. C'est pratique, c'est ce que j'ai acheté hier. Voilà, parfait. En fait, ça clipse bien. Hein. Vous me direz, ça c'est fin, donc ça passe. Je verrai avec les briques de soupe. J'appelle les urgences vétérinaires. Jack vient de manger mon avocat, la moitié plus la peau. C'est chiant. Mon chat a mangé un avocat plus la peau il y a 20 minutes. Bon, gros coup de stress là. Je suis descendue pour commencer à préparer à manger et bah, y avait de l'avocat et la peau de l'avocat partout. Voilà, il a mangé tout ça. Donc j'ai un peu flippé parce que je sais que c'est toxique, ça peut être toxique pour les animaux. J'ai appelé un vétérinaire, donc moi c'était fermé, donc j'en ai appelé un sur Paris. Ça a duré un petit moment, elle m'a dit de se rapprocher d'un centre de toxicologie, vétérinaire bien sûr, chose que j'ai faite. J'ai eu une vétérinaire qui m'a expliqué qu'en fait l'avocat en soi, c'est pas les chats qui sont le plus touchés, ça va pas lui faire beaucoup de mal, c'est tout ce qui est herbivore, les lapins, les oiseaux qui eux, pour eux c'est plus embêtant. Elle m'a quand même dit de le surveiller si jamais, même s'il vomit une fois c'est pas grave, mais s'il vomit abondamment là faudrait consulter, mais ça a pas eu l'air de l'inquiéter et moi ça m'a quand même soulagée, mais bon voilà quoi. Alors elle m'a expliqué que la pulpe, c'est pas la pulpe, donc c'est pas l'intérieur, c'est la peau qui peut être toxique, et comme bah voyez quoi, donc bah vous le saurez aussi si jamais ça arrive. En plus je comprends pas, ah c'est quand j'ai fait le haul. Je l'ai mis là, alors que je le mets tout le temps dans mon bac. Et là, je sais pas ce que j'ai foutu. Bon, bref. Bah oui. Voilà, maintenant, il faut que je te surveille. Oui, il est en forme. Hein. Ah oui, non, bah bien sûr, le gars, il retourne. Non, mais attends, qu'est-ce que c'est que ça? Non, 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 t'as fait peur à ta mère, tu vas là-bas. Dépêche-toi. Non, 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 non. Ah, s'il te plaît. Ah ouais, non, bah il est en forme. Hein. Non, bah, il râle un peu quand même. De la dernière alors. Oh, vraiment, ça commence à être lourd hein, maintenant. Oh, non, mais j'hallucine. Le petit poussé, le mec. Mais il a jamais fait ça avant. Jamais. C'est un jeu, c'est quoi? Regardez-moi les crocs là. Il va falloir que je transfère tous mes fruits. Et je vais devoir les mettre au frigo. Ça me saoule. J'étais à la poste, là, le plan juste avant. J'attendais qu'Eric revienne et il finissait à 3h30. Comme ça, j'ai pu envoyer tout ce que j'avais à faire. Je suis passée aussi au relais là pour envoyer le colis. Donc ça, c'est cool. Bah, Jack, hein, comme vous voyez, il a l'air d'aller très très bien. Hein. C'est le week-end. Et ça, c'est cool. Très très cool. Je sais pas ce qu'il a. Qu'est-ce qu'il fout sur le comptoir comme ça? Et le post-it de ta mère, les fesses là. Pas possible. Il ronronne en plus. Qu'est-ce qui t'arrive, bonhomme? Hein? T'inquiète ta mère, hein? C'est pas la peine de me regarder avec tes yeux d'amour, hein? Donc je disais que c'est le week-end et il fait beau. Il y a un beau soleil, là. Je sais pas encore si on... Je ne sais pas. Si on reste là, si on bouge, on verra.
On fera au feeling, voilà. Bon, bah, je pense que vous l'avez compris, je vais arrêter ce petit vlog. C'était un vlog un petit peu retour de course, mais... Oh, en couleur. J'espère que vous avez passé un bon moment et on se dit à lundi pour la suite des aventures. Ciao!